Vous connaissez la dernière à propos d'Hercule et de Polos? Il paraît que le héros s'était enfoncé en Érymanthe, le territoire des centaures, à la poursuite d'un sanglier quand il a été pris d'une forte soif. Le centaure Polos a accepté de partager son vin avec Hercule, et chacun a levé le coude. Bientôt, tout un troupeau de centaures s'est joint à eux, et il est arrivé ce qui arrive quand le vin s'en mêle, de sorte que le héros a tué un grand nombre d'entre eux en état de légitime défense. Mais les centaures ne l'entendent pas de cette oreille, et prévoient de se venger d'Hercule et de quiconque lui est associé. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour le cinquième épisode, cinquième mission, avec l'aventure des travaux d'Hercule. Nous sommes donc à la guerre contre les centaures, donc on a dépassé la moitié de l'aventure. Donc les objectifs sont plutôt simples sur le papier, à savoir soutenir 8 hoplites et une population de 2500 habitants, donc c'est pas franchement compliqué, mais à mon avis je pense qu'il y aura des petites complications durant la mission, donc on va rejoindre la cité. Alors, ah oui c'est vrai, je me souviens. Oh, c'était le bazar ici, donc je fais aucun achat de bouffe. Là on va laisser la nourriture revenir progressivement. Ensuite, je regarde un petit peu comme on avait une colonie avec Lemnos, ouais, il nous paye du marbre. C'est plutôt cool. J'ai déjà mon idée où placer mon quartier de riche. Donc j'ai un peu défriché. Et on a déjà donc le sanctuaire d'Athéna avec l'huile d'olive et Hermès qui nous aide pour ses requêtes. Ok, donc j'ai tout de suite fait une petite sauvegarde, donc tirade 5. Voilà. Et du coup on est reparti. Bon, on va perdre des habitants, hein, ça c'est sûr. La nourriture va arriver en masse. Célébrez-moi. Au niveau des sanctuaires, nous avons le bastion de Zeus. Je pense que j'ai déjà le préparé, le bastion de Zeus, parce que je pense que, comme on a eu la visite du Kraken avec Poséidon, je ne serais pas étonné qu'on voit Poséidon débarquer, sincèrement. Alors, on est la bouffe. J'attends que l'entrepôt soit complet. Et tout le monde sera content. Voilà, je pense que c'est pas mal, on va relancer tout de suite. Bon, ce qui est bien grâce au tribut de Lerne, avec l'huile d'olive, on en a pas besoin d'en acheter. Donc on a 8 jars par an, c'est plutôt suffisant. Donc là-bas, j'ai un petit peu étendu la maintenance. Donc ça fait qu'on a quand même 10 parcs à oursins, plus 4 camps de chasseurs, je pense que c'est suffisant. Allez, plus d'huile d'olive, plus de marbre. C'est cool. Ensuite, je vais... Alors attends, j'ai un petit peu peur parce que faut que je me rappelle comment j'avais fait mon coup. Ouais. Je pense que là, on va avoir un beau petit quartier de riche. Bon, il y a les marécages, c'est pas sexy, sexy, je sais. Mais pourquoi pas. Alors. Célébrez-moi, car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. 1, 2, 3, 4, voilà. Voilà. Je vais juste placer la grande agora. Ça me semble plutôt pas mal. Ensuite, j'ai déjà placé 2 maisons. Ok, on est pas mal. Des parcs. Fait. Ah, le mont Malais qui veut notre peau, qui est à prévoir. Ok. Deuxième étape. Alors, est-ce qu'on a toute la population qui arrive pas encore? On va attendre un peu. On a déjà 3 maisons de prêtes. C'est pas mal. Alors, combien de personnes il nous manque? 63, c'est correct. Célébrez-moi! Car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Qui achète de la laine. Donc on va avoir 2 docks. Donc Lemnos. Et Signe. Une petite vente de laine, 12.
Il n'y a pas de petit profit, donc on ferait 600 de plus ici. Là-bas, ils achètent quoi? Du bois, du bronze, ok, ouais. Bon, j'avoue que j'ai un. Je vais essayer de revérifier un truc après, mais. On se fait 15 000, ça va, c'est pas mal. Je vais mettre un entrepôt ici. Alors, où est-ce qu'il est l'entrepôt? Il est là. Je vais le mettre là. Je vais faire moitié 20 pour le quartier de riche. Et moitié armement. Je pense que 16 de chaque, ça serait largement suffisant. Au pays de 400 drachmes, on peut se le permettre. Je vais placer un autre belvédère ici. Voilà. Besoin d'activité culturelle pour évoluer. D'accord, bah. Écoute, on. Oh. Ah, c'était pas prévu ça. Hop, une petite maintenance dépêche, voilà. Merci bien. On a un nouveau monument à placer, donc là ça va être temps. On va faire ça là. Derrière, je vais en mettre un autre ici. Comme ça, les monuments vont permettre de bâtir le quartier que l'on désire. Voilà. Le pognon nous estime beaucoup, c'est cool, merci à toi. Voilà, on a déjà notre quartier de riche de prévu, sur le papier. Ah, par contre là ça bloque suite à la maintenance, ok. Eh ben, tu sais quoi? On va étendre la chose. Le stade, je vais le mettre là. Le gymnase, ici. Je vais ensuite préparer les biens de base pour ce quartier, à savoir épicière, laine et huile d'olive, bien sûr, que j'allais zapper. Bon, ça va, la nourriture afflue, mais ça peut. Je pense qu'on peut encore optimiser ça. Je vais rajouter juste. Est-ce que j'aurai la place? Non, je peux encore rajouter qu'un. Et je vais peut-être rajouter 2-3 parcs à oursins par ici. Après, on a encore de la place pour les moutons. Je mettrai peut-être plus de. Ah, mon pélion maintenant qui s'y met, ok. Derrière, je vais mettre un collège avec un podium, une petite maintenance ici, et je pense que j'ai déjà préparé la deuxième partie, donc à savoir le quartier, le nouveau quartier que je vais placer à côté de l'Athénée. Il serait pas mal, je trouve, ici. En plus, on a pas mal d'espace pour la zone de pêche avec les oursins. En plus, on a un secteur d'oursins ici. Ouais, ouais, on va faire ça. Allez. Donc, je vais faire ça. C'est pas optimisé tip-top, mais bon. Je me souviens. Je prépare aussi l'avenir de cette campagne, enfin de ce scénario, vous m'avez compris dans l'idée. Parce que j'ai déjà. Je me rappelle à peu près des objectifs qui étaient requis pour la mission finale. Ah merde, je me suis planté d'un. Voilà, merci. Allez. Acceptons 8 amphores de vin, c'est toujours ça de prix. Merci à Érythrée au passage. Donc 160, 480, 200. Alors, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Je prépare déjà le grenier. La maintenance, pardon. On va préparer aussi les belvédères. Histoire de monter le cachet de ce quartier. Voilà. Je vais aussi mettre. Hop là, ah, le Montpellier, on va s'y mettre aussi, ok. Si ça vous amuse, hein. Peut-être acheter une douzaine de blocs de marge. Bon, on a 8 amphores de vin. Et c'était qui vendait des armes déjà? Je sais même plus. Pas Illusis. On va leur demander. J'ai déjà fait quoi? Collège, ouais. Peut-être le théâtre en plus. Ouais, ça passe tout juste. Juste, juste.
Il y a un qui nous faut. Hop, les 10 blocs de marbre avec. Et je pense que j'ai déjà commencé la préparation du sanctuaire en hommage à Zeus. Voilà. Petite sauvegarde. Au moins, c'est déjà prêt. Ah, ça y est. Il nous manque combien de mains d'œufs, uniquement. Ça va, il nous manque pas tant que ça. Mais je vais quand même booster. Voilà, je vais juste rajouter l'un quartier. 8 armements, c'est pas mal. Par contre, je pense que je vais bâtir un poste de commerce avec Elusis. Ça, tout le monde sera content. Achat d'huile d'olive et d'armement, je prends juste 12. Ça y est, là on démarre avec le marbre. Du coup, on perd beaucoup d'argent quand même. J'espère que j'ai pas vu trop grand et qu'on va le sauver des grandeurs. Mais je pense qu'on va peut-être, si avec les armements qu'on a, on a assez de chance. On va tenter une petite offensive. Hop. Voilà. Comment gaspiller des sous inutilement. Parfait. Deux petites maintenances. Une ici. Une là. Une troisième ici. Très très bien. Pas mal de pêcheurs d'oursins qui vont y aller. Bon bah addition hein. C'est ce que je te dis. Ensuite, ce que je vais faire derrière, je vais redemander des sous à mes vassaux déjà. Toi, je vais te demander du bois, j'en aurai besoin. Et ce sera déjà pas mal. Voilà. J'arrête l'achat d'armement. Ensuite, est-ce que je fais les impôts? Je les ai placés, ouais. Et là, je vais passer tout de suite à l'armement. On va armer nos maisons de riches. 600, je prends. Ah, c'est en feu, c'est nouveau ça. Et ouais, la maintenance, là. Non, là, ça abuse, la maintenance. Elle était à côté. J'ai pas une charge de mon bras. Putain, putain, t'es sérieux? Non, là, la maintenance, là, je suis désolé, c'est bâtard. Hein. Alors. Ok, vas-y. Bah, bien sûr, bah oui, fais-moi incendier toute ma ville aussi, ton petit nom. Oh, Grand Agora. Ouais, on a assez d'armement. Ah. Effectivement, je n'avais pas vu ça sous cet angle. On repart avec de la nourriture, de la laine, de l'huile d'olive, de l'armement. Et on va passer au vin tout de suite, je pense. Hein. Ouais. Par contre, j'ai demandé à Eretri si elle peut me donner du vin. J'en aurai bien besoin. Athéna qui bénit nos bâtiments, mais vitesse grand V. Je vais peut-être passer à l'épicière ici. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec le marbre, là, on a des arrivées régulières. Ah oui, c'est vrai. J'avais zappé, il me faut un hôpital aussi, là. Ainsi que une maison de... un palais de garde. Et la perception, parce qu'on a des maisons de riches ici, je rappelle. Hein. Alors, certains bâtiments font baisser le cachet. Bon, pourquoi vous ne le dites pas? On peut pas avoir un message genre attention, cette zone est mal est très mauvaise. Wow, ça a évolué d'un coup là. Bon, par là on a quoi? Ça se passe comment? C'est plutôt pas mal. Je vais faire un hôpital. Ah, ils ont encore besoin d'ouvrir.
Je vous en prie, permettez-moi de satisfaire une autre requête. Vous pouvez remercier Hermès ici, hein. Putain, j'ai battu 121 ouvriers, mais... Attends, il y a une maintenance, les mecs, là, vous déconnez. Sincèrement, vous abusez. Non, pas une deuxième fois. Mais... Elles servent à quoi, mais maintenant, sérieux? Non, mais... Je comprends pas, là. Ça fait deux fois, quoi. Deux fois. Sérieusement. Là, je gaspille des sous bêtement parce que je mets des maintenances là où il faut. Et ben non. Non. Le jeu a dit non. J'ai perdu des armements dans tout ça, je suppose. Sinon, c'est pas drôle. Je vais mettre aussi un pop. Bon, je pense qu'on va bientôt boucler là. Donc, le sanctuaire de Zeus est déjà bien entamé. Voilà, vous le voyez. Non, on va déjà. Hop, on est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire là-bas? Ah, bah oui. Des armements supplémentaires, je dis pas non. Ce que je vais faire. Je vais préparer l'invasion du Mont Malais parce que je vais essayer de récupérer des bonus, en particulier du bois et du bronze. Je vais enregistrer, comme ça, c'est déjà préparé. Donc on sera la prochaine fois, donc quand on retournera à Tirin, parce que je pense qu'on va fonder une dernière colonie. Comment ça va se passer? Ouais, hop, top, top, top. Voilà, un petit enregistrement supplémentaire. Vous avez réussi à protéger Tirinthe pour le moment. Mais les centaures ont sans doute d'autres tours dans leur sac ou ailleurs. La perspective de bâtir une nouvelle cité vous excite désormais. Eurysthée gardera un œil sur votre cité pendant que vous établirez une autre colonie qui pourra vous fournir les biens dont vous avez besoin. Ok, donc on a bouclé ce scénario. Bon, c'était pas compliqué. Bon, à part le début catastrophique suite à mes petites erreurs d'acheminement de nourriture au début du dernier épisode. Bon, là, je pense que ça va être réglé avec aussi le deuxième quartier qui commence à être intéressant. Du coup, je vais vous laisser pour cet épisode. La prochaine fois, on va fonder notre dernière colonie. Je crois que c'était Éphèse, si je me trompe pas. Donc, on verra ce qui nous attend là-bas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que l'épisode aussi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous souhaitez suivre toutes les vidéos qui sortent, n'hésitez pas à vous abonner et à aussi à la petite cloche quand vous le faites. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas qu'il y a une page Tipeee dans la description. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.